Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans Playroom sur un nouvel épisode de Starbound V5 Glade Girafe, chers amis. Donc, chers amis, comme vous avez pu le voir ou l'entendre dans certaines de mes vidéos récemment, le fait d'avoir des colonies permettra donc plus tard d'améliorer son vaisseau via l'interaction avec des membres d'équipage, enfin, c'est-à-dire des colons, qui deviendront ensuite des membres d'équipage, et donc ces membres d'équipage, je vais y arriver, eux deviendront, débloqueront la possibilité d'améliorer, d'agrandir le vaisseau, de manière legit. Vous pourrez encore, je le précise toujours, payer quelqu'un pour avoir une fausse, donc une carte, entre guillemets, un faux permis, qui permettra encore une fois d'améliorer et d'augmenter la taille de votre vaisseau. Mais là, à l'heure actuelle, la version legit, c'est d'avoir des crew members, donc des membres d'équipage. Donc pour ce faire, pour avoir déjà des membres d'équipage, il vous faut établir une colonie et établir une relation avec le colon. Pour établir une colonie, pour l'instant, en tout cas jusqu'ici, il faut venir voir cet homme, donc à l'autre poste, et prendre ceci, le colony deed. Une fois que vous en avez acheté un, il apparaîtra dans votre inventaire, normalement ici, voilà. Et ensuite, la première chose à faire, c'est vous rendre sur une planète. Donc j'ai déjà choisi une planète au pif, hein, c'est histoire de vous la montrer, chers amis. Hop. Au passage. Vous voyez qu'on a suffisamment d'argent pour se payer un téléporteur. On va se prendre donc un téléporteur avec. Alors, de préférence, un normal. Hop, c'est pas grave. On remonte sur le vaisseau. Hop. Et donc on redescend sur la planète en question. Donc j'ai pris une planète très particulière, qui est une planète qui est faite pour les constructions. Ça c'est un choix parce que c'est histoire d'être tranquille, comme on dit. Hop, on va prendre une zone qu'on va aplanir, hein. Un minimum. Et B, c'est du caillou qui est dur, hein. Excusez-moi. Alors, je reprécise tout ça parce que comme ça arrive et que ça va avoir une utilité prochainement dans les prochaines mises à jour, je pense qu'il vaut mieux repréciser la chose et je referai des tutos de toute façon sur comment faire lors de la sortie et lors de la mise en place de cette feature. Alors, premièrement déjà, on va pouvoir placer ça. Mais on va pas le faire tout de suite, on va le faire une fois qu'on aura placé par exemple de quoi... j'ai rien pour faire un bon truc. On va commencer par voilà. On va baisser encore un petit peu. Hop. Crac. Hop, voilà. Crac. Normalement, maintenant, il y a de quoi replanter, entre guillemets, au sol. Hein. Je me rappelle plus trop comment qu'on fait, mais je sais qu'il y a de quoi replanter. Je me rappelle plus, par contre. Je trouverai, c'est pas grave. Hop, on place le téléporteur, on le setup, on va mettre colon tuto 1. Hop, voilà. Et normalement, donc d'ici, on peut remonter et redescendre quand on veut sur cette planète. On remonte sur le vaisseau, on va prendre de quoi faire une maison quand même assez potable. Ce qui nous permet de faire un tour aussi dans la soute et voir les différents cubes qu'on a. Ah, pourtant j'ai bien dit de descendre, mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, c'est pas les cubes, ici, c'est pas les cubes, ici, c'est pas les cubes, c'est en haut. On va commencer par prendre un petit peu de bois, j'imagine. J'ai un petit peu de clé, ça pourrait être intéressant, tiens. On va la prendre aussi. Le verre, on va le prendre, ça va nous faire des fenêtres. Alors, je regarde ce qu'on a, hein. Hop. On a quelques briques ici, on va les prendre, un petit peu de verre toujours supplémentaire, ça va nous faire du bien. Et la clé. Un petit peu d'eau. On n'a pas plus de bois que ça, si, ici. Ok, hop, donc. Hop. Voilà, on va redescendre. Crac. Alors. Comment qu'on va gérer ça? Est-ce que je fais un truc simple ou une petite construction sympa? Je ne sais pas. Ok. Il va manquer des choses.
Est-ce que je passe en admin ou pas? Non, je vais pas passer en admin. On va essayer de s'en occuper comme ça. Pas par ici, plutôt par là. Cube. Alors. Ok. Alors, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. C'est dommage. Alors, c'est pas rassurant. C'est en bois. Juste avant. Non, alors, attendez. Hop. D'accord, ça s'appelle bien des briques. Oui, c'est bien ça. Il me faudrait peut-être un C quand même. Bla. Bla. Non, c'est pas là. Est-ce que je vais les trouver ici? Non plus. Ah. C'est problématique tout ça. On va prendre celle-ci alors. Ah gars. Oula. J'aurais dû prendre le télé. Le comment le. L'ascenseur en fait. Pas bien Marcus. Ok. Et on se calme hein. Pourquoi les FPS chutent? Ok. Y'a pas de raison, on se calme hein. Hop. Voilà. Ici. Hop. C'est pas là-dedans que j'ai trouvé ça. Hein. C'est pas possible que ce soit là-dedans. Okay, je vais le reposer. Alors, pourquoi j'ai pas de quoi faire des briques? C'est sur quelle station qu'on est censé en faire? Ça m'étonne cette histoire. Ça m'étonne. C'est quand même pas là-dessus. Ah si, d'accord. Ok. On se fait une chier de briques. Ok, bon, on descend. Ici. Hop, je bug pas trop quand même, merde. J'en chie, chers amis. Ah, puis il fait nuit, génial. Alors. On va commencer par faire... Alors j'ai pas de bitume, ni de béton. Commencez par faire un petit sol en cobble. Hein. Hop. Voilà. Dans ce sol en cobble, enfin sur ce sol en cobble, on va mettre une couche de briques. Crac. Hop, au niveau des couches de briques, on peut en rajouter une comme ça de chaque côté. Crac. Et donc sur cette couche de briques, on peut même en rajouter deux, vous allez voir. Hop. Crac. Alors j'en profite pour faire le fond. Hop. Ok, on peut faire pareil avec la roche. Je crois qu'on l'a pas fait entièrement. C'est bête. On va mettre un petit peu de sable derrière, alors c'est pas grave. C'est sur le principe. Hein. Voilà, il nous manquait deux cubes. Oui. Le manque de chance, hein, comme on dit. Ok. Hop. Voilà. Ici aussi, on peut se permettre. Hop. Donc là, on est dans l'intérieur de la maison. Du coup, on peut mettre un fond. Hop. De ce genre. On va mettre un plancher. Crac. Voilà. Deux, trois, quatre et cinq normalement de haut. Là, je devrais avoir de quoi faire une porte. Un, deux, trois, quatre et cinq de haut. Je devrais avoir de quoi faire une porte aussi de ce côté-là. Hop. Hop. Crac. Deux, trois.
3. Voilà. Hop. Ok. Donc de ce côté-là, on a ce qu'il faut. Est-ce que je mets des vitres comme ça ou est-ce que je mets des vitres? Bon, c'est pas trop moche, après tout. Pourquoi pas. Oh, si, c'est laid. C'est laid, c'est laid, c'est laid. Hop. Ah là là, quand est-ce qu'ils vont nous pondre le fait qu'on puisse régler complètement la taille du matter manipulator? Je me le demande. Là, je n'en avais pas mis. Ok, donc c'est un début qui me semble prometteur. On va peut-être utiliser un peu plus de... Hop. D'objets, vous allez voir. Faisons quelque chose qui soit à moitié stylé quand même. De toute façon, je dois en avoir en quantité, je crois. Ah, pas tant que ça. Pas tant que ça du tout. Bon à savoir. Allez farmer du cuivre. Du cuivre, pardon. Ouais, j'ai pas tant de cuivre que ça. Hop, on descend s'il vous plaît, merci. Hop. Alors, je peux en faire combien là-dedans? Pas beaucoup. 16. Je vais les faire les 16, c'est pas grave. Hop. Alors, par contre, ça me fait chier, je n'ai pas de plus de cuivre que ça. Ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Bon, je le fais, tant pis, c'est pas grave, c'est juste histoire de faire de la vidéo. J'aurais fait un truc joli quand même, un minimum, merde. 3D print. Copper. On va rajouter une trentaine. Hop. Ici on va rajouter une centaine. Ouais, ici c'est pas trop grave. 200, ok, cool. Ça, je vais en rajouter une centaine aussi. Ok. Et déjà avec ça, on devrait voir ce qu'on peut faire. On viendra tout à l'heure pour le reste. Hop. Allez. Voilà. Et on voit ce que ça va donner. Hop. C'est un peu mieux, effectivement. Alors, la suite. J'ai pas pensé à prendre les portes, c'est dommage. Ok. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, on peut, de la même manière, garder toujours cet aspect très simple, hein, très cubique. C'est pas grave, hein, en soi. Dommage. Je me disais, je vais y arriver, je vais y arriver. Bah non, loupé. Ok. Ah bla. Vilain. Vilain jeu. Pas bien. Hop. Parfait. Vais-je en avoir assez? Forcément que non. J'aurais dû m'en douter. Alors, heureusement. Voilà. Le mode admin fonctionne partout. Crac. C'est bon. D'ailleurs, on va même en refaire quelques-unes. Voilà. Je m'attendais à beaucoup plus beau, à vrai dire, hein, soyons honnêtes. Là, c'est juste absolument laid. Ok, c'est complètement laid, donc bon, tant pis, hein. C'est vraiment chier, bon, ils ont fait ces trucs-là. Hein. Oh la gueule.
Hop, c'est horrible. Tout à fait horrible. Ok. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Faisons un toit simple. Hein. Hop. Un toit version Disney. Bien pointu. Comme les enfants, ils les aiment sur leurs dessins. Hop. Voilà. Hop, maintenant on bourre. Hop. Ensuite on donnera du détail. À tout ça. Hop. Un petit peu de construction, hein. Vous avez vu beaucoup de décorations avec le vaisseau. Hop. Ça doit vous changer un petit peu. Ok, parfait. Parfait, parfait. C'est assez horrible en fait, le côté très plat d'un seul coup d'un côté. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur? Voilà. Hop, pourquoi il y a un truc là? Ok, je préfère ça, c'est bon. On peut donc lui rajouter aussi, tiens, au pif. Un grenier. Hop, voilà. Ok, bon. Et pourquoi pas rajouter dans le grenier aussi, tiens, tant qu'à faire. Hop. Crac. Donc là, on a une maison qui est presque habitable. Si je dis presse, ah j'aurais pu mettre ça aussi, remarque. Hop. Fallait en prendre deux par contre, ça a été con. De ma part, hop. Voilà. Est-ce que à tout hasard je peux? Non, je peux pas. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est par exemple ceci, rajouter malgré tout ceci sur les côtés, ce qui viendrait quand même en support et que ce soit pas trop moche normalement. Hop là, par contre c'est moche là ce que j'ai fait. Hop, crac, voilà. Peut-être que je suis descendu un peu trop bas par contre. Hop. Ça gâche un petit peu le. Hop, voilà. Voilà. Hop. Pourquoi pas. Ok, donc maintenant il faudrait des portes, ce serait pas mal. Hop. Door. On va les prendre en. En quelque chose. Non, pas ça.
Classique d'or non plus. Shoji d'or non plus. Non, j'aurais une porte normale en fait. Prendre des portes en fer, ouais mais ça va... Ah, attendez, ça va être parfait. Hop. Ouais, c'est bon. Hop. Voilà, donc on a deux portes. Mais on a aussi donc de quoi avoir un mur, une maison complète, c'est-à-dire un background, un fond, et des murs autour. Par conséquent, normalement, en déposant ici, hop, par exemple, on va le déposer là, crac. Ok, donc normalement, si je remonte et que je redescends, sauf s'il a besoin encore des chaises et des bureaux, je sais plus s'il en a besoin en fait. Pour être tout à fait honnête avec vous. Ah merde, je me suis trompé de... Bon, c'est pas grave, il suffit de remonter. Oui, il en a besoin. Ok. Donc, on va lui rajouter... Alors, il faut normalement une table, apparemment. Si je me souviens bien de mémoire. Une table. Non, la table, c'est même pas demandé. C'est... de la lumière. De la lumière. Alors, comment je vais faire une lumière potable là-dedans? Ah bah tiens, voilà, parfait. Ok, voilà. Par contre, il tape dedans, hein, c'est pas grave. Donc de la lumière, et il faut normalement une chaise et un lit. Voilà, bah non, juste de la lumière, en fait, ça suffit. Voilà. Voilà, donc on a donc un colon, qui, donc dans les prochains épisodes, vous verrez ça, nous donnera des quêtes. Et donc, en faisant ces quêtes, on deviendra amis avec le colon. Enfin, c'est comme ça que j'imagine que ce sera dans la prochaine mise à jour. Donc voilà les amis, voilà comment construire une maison et utiliser ce genre d'équipement. Vous pouvez rappeler votre colon en faisant comme ça, en cliquant dessus, en activant l'objet. Et donc voilà, il vient vous voir. Donc voilà les amis, on verra ça donc dans les prochains épisodes pour ce qui est des quêtes. Enfin, pour ce qui est des quêtes qu'il nous donnera en tout cas. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dans votre lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et hop, et je vous rappelle que vous pouvez rejoindre ma chaîne Twitch. Donc vous pouvez retrouver l'adresse, donc le lien direct, directement dans la bannière sur le petit icône Twitch de la bannière. Donc voilà, salut les gens.